Damos la vuelta detrás del MAS, pasamos al lado de la escultura de Pan Amarenco y nos instalamos en el Félix Pájaro. Y eso se llama la visita de los pájaros de Guido al museo. Le proyecté la comencé, c'est parce que mon compagnon il aime beaucoup voler. Elle, c'est son rêve, c'est voler. Et les oiseaux, il est passionné par les oiseaux. Et alors, bon, on a commencé à faire des dessins pour commencer. Et on a... Mais c'était pas assez pour lui. C'était, il fallait quelque chose qui avait plus de relief. Alors on a commencé à faire, il a commencé à faire des sculptures. Et le verre, il est venu à... À cause aussi de la fragilité qu'il a. Il aime bien la fragilité et la brillance de verre. Donc, le mélange de matériaux, le bois, le fer, le verre, tout l'ensemble, c'est tout des produits terre, feu, eau, de l'air, voilà. Ça fait au moins 6 ou 7 ans qu'on est en train de travailler sur ce projet. Maintenant, on est très content qu'il soit abouti, plus ou moins, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore finies. Mais dans l'ensemble, voilà, ça a été une réussite, je veux dire. On est très content de tout ce qui a résulté de ça. Voilà. Dus, we zijn, ik ben toch al een jaar of 8-9 bezig met verschillende vogelfiguren, geïnspireerd op vogels en op beweging, mechaniek. En nu, toevallig rond de opening van het MAS, begonnen die aan op zijn eindfase te geraken. En dan hebben we maar beslist om samen mee te vieren met het MAS. Ik werk een vijftal mensen. Sommigen zijn met glas bezig, anderen zijn met lassen bezig, mechaniek bezig. Ik ben met ontwerpen bezig. Dus het ontwerpen, het IT enzovoort. En, bij ons een probeersel, het proberen, want we hebben er nog nooit niet mee buiten gekomen. En nu ja, rijdt dat allemaal, gaat dat allemaal wel goed functioneren. Dus het is eigenlijk de eerste keer nu. Dus daarmee, ja, ik vind het wel, ik ben er wel tevreden, ja, komt plezant.